C'est comme l'archevêque de Mbandaka-Bikoro l'a dit, l'archevêque Ernest Gbogbo, en marge de la visite de sa sainteté pape dans notre pays. Il a été initié par l'archevêché de Mbandaka-Bikoro un projet qui consistait à valoriser là où repose pour l'éternité le bien-aimé Bakanza. Et ce projet avait retenu l'attention particulière du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui avait immédiatement instruit le gouvernement de la République, dont le ministère de l'Aménagement du territoire, à qui a été confiée la charge de faire le pilotage et le suivi d'exécution de ces travaux. On parle de l'aménager ces sites, donc ça relève de l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, Leurs Excellences, l'archevêque de Mbandaka-Bikoro et l'évêque de diocèse Bokungui qui est là, sont venus, pardon, exprimer leur gratitude au premier ministre, chef du gouvernement, pour la mise en œuvre très très bientôt de ce projet de l'aménagement du site, qui sera un site touristique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que dans les jours à venir, sur le plan géographique, ils n'ont qu'à voir, c'est au bord de la rivière Choapa. Et c'est un site que, si ces travaux se font tels que c'est prévu, ça va attirer non seulement des pèlerins, ça sera aussi un boom économique pour la province de l'Équateur et pour le Grand Équateur dans son ensemble. Et de ce projet d'aménagement du site de Bakanza, ça peut aussi booster pas mal de choses sur le plan économique et social de cette partie du pays. Et donc nous allons suivre personnellement, sur instruction de la très haute hiérarchie, la matérialisation de ce projet très salutaire qui rentre dans le cadre de la visite prochaine dans notre pays de Sa Sainteté, le Pape. Merci. Merci beaucoup, monsieur.